Et la pioche, comme elle est abîmée déjà. Ouais, les outils en cuivre. Aïe! Si on dégageait un petit peu là. Ouais, ah, sous... ouais. Là-dessous, c'est... Et quoi? Laissez-moi tranquille. En fait, c'est que ça peut entraîner des réactions en chaîne. Hé hey, ça vient jusque là, non mais oh. Non mais oh. Bon, après je vais aller ailleurs, hein, parce que le cuivre ici, trop compliqué. Bon, de toute façon, je vais aller ailleurs. Là, j'en ai récupéré un petit peu, ça me va. J'ai récupéré. Ouais. J'ai envie d'avancer. Par contre, j'ai plein de... Voilà, mes blocs de gravier. Ciao. Ah oui, c'est... C'est différent, ici. Waouh. Oh, un ours qui boit là-bas, on dirait qu'il boit au bord. Bon, j'ai pas envie de spécialement d'affronter d'ours pour l'instant. À quoi ça ressemble ici? Ah non, c'est en fait, c'est pas... Ça a pas l'air d'être un océan. J'aurais bien fait le tour par là-bas pourtant. Si on court vite. Ouais, j'ai encore 9 vies. Ouf. Il dort ? Bon, il doit dormir, hein. J'ai envie de lui lancer un caillou. Attendez, je me fais un petit abri. Hein ? Juste au cas où. J'ai enlevé celui-là. Mais on dirait qu'il dort pas, qu'il est, qu'il bouge pas. Hein. J'ai peur. Oh. Ce brin. Oui, je vois ta petite frimousse. Mais au début, j'aurais jamais fait ça. On prend un petit peu d'assurance après, hein, quand on loue. J'ai cassé une lance. Aïe, je me suis pris la lance. En la lançant. J'ai un fox aussi. J'arrête pas de me casser des lances. Peureux. Reste là. Reste là. Non. Me fais pas ça. Oh non, bah alors là, comment voulez-vous la voir, là, en plein dans le lac, là? Oh non. Le peureux, le lâche. Bon, on va voir si on peut le poursuivre quand même ou pas. Non, mais regardez, regardez comme il barbote. T'es où? Bah, il est mort. Ok, il coule. Il s'est noyé, je crois. alors, on va essayer de récupérer. Vite, 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 vite. Je crois qu'il a fini par se noyer. Ah. Ouf. Bon, ben voilà. J'ai une lance ici. Allez, un autre ours à notre palmarès.
s'est bien passé. J'ai de la viande... Bon, je vais la faire sécher, celle-là. J'ai la viande séchée aussi à manger dans... Dans mon coffre. J'en ai plein, d'ailleurs. Bon, bah, c'est bien. Je pense que, ouais, je vais faire... le tour de Slack. On verra, on aura peut-être la chance de trouver quelque chose. Et on se fera... J'ai du cuivre encore à récupérer sur le chemin du retour. On avait trouvé... Oh, des petits papillons! Mais n'empêche, quand on arrive à vaincre son premier ours hein, dans Vintage Story, on est bien content. Hein. Au début, ça paraît... on se dit qu'on va jamais y arriver. Et finalement... Petit à petit... Allez, jetons un petit coup d'œil. Oh! Ça ressemble à la petite que j'avais trouvée. Oh, trop bien. Oh, super, j'ai des bols de près. On va poser de la lumière. On va prendre notre coffre. Hop, on va le poser juste devant. Voilà. Rangeons un petit peu. Oh, enclume brisée. On a un petit creuset supplémentaire. On va regarder un petit peu. Je récupère ça. Hop. On a une forge, déjà. Faisons de la place. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh. 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 Bon. Ça, je prends. Ça, je prends. Ça, je prends. Ça, on va prendre. La ferraille, je vais la laisser. Le plomb, on va pas se charger avec, hein, pour l'instant. On va pas se charger avec, tout de suite. Bon, la forge, on va s'en fabriquer une. Elle est bien sympathique, hein, petite ruine, là. Après, je pense pas qu'il y ait autre chose. Ah, on peut la récupérer, l'enclume en ruine. Pour la déco, ça peut être sympa. Je vais récupérer les bols. L'inventaire est bien rempli, déjà. Allez. Il est 20h24. Non, il va faire nuit. Alors, ce que je pourrais faire, là, c'est peut-être... Ah oui, mais il me faudrait une source d'eau. Juste tamiser mon petit sol osseux que j'ai. Mais il y a de l'eau juste à côté, on va faire. Hop. On va faire ça. Il n'y en a pas beaucoup. Hop, venez là. Il n'y en a pas pour longtemps. 4, hein. Ça va aller vite. Ah bah après, franchement, j'hésiterai pas à jeter, hein. Si c'est des os, etc. Bon, le lin, je prends. Voilà, ça passera un petit peu ce début de nuit. Ouais, les os, ça je le jette. Hein. Ciao. Ah, petit livre. Pareil, je pense que je vais les laisser là. Ça aussi. Comme ça après, hop, de dos et on repart. Voilà, c'est la survie à la dure. Hein. Donc, hop, on fait pas de chichi. Hein. Même l'enclume brisée, hein, je pense que elle va rester ici. Hein. Allez, c'est déjà fini. Alors. Oui. On peut même pas la fondre. Non, allez hop, je ferai pas de flèche de toute façon. Hop. Et le livre, on va ranger. Tiens, toi, je te pose là. Toi. Hop. J'ai même une place ici.
Bon, pour l'instant, je garde le livre, mais franchement, c'est pas sûr qu'il reste. C'était où? Oui, c'était là. Hop! Ouais, on va laisser. Ça, c'est bien joli, hein, mais voilà. Toi aussi, t'es bien joli. Sous-ensemble de Jonas, hein. Pareil. On verra si un jour. Si un jour on en a besoin. Bon, l'enclume brisée, je la garde encore. J'ai un petit chouïa de place, mais bon. Hein, sans conviction. Allez, on passe la nuit. Mais voilà. Une affaire qui roule. Je vais peut-être marquer l'emplacement au cas où on revienne. Hop. Je vais marquer ruine visitée. Je me comprends. Zou. Allez, on sort d'ici. Il fait jour, tout va bien. Tout va bien. Allez, on continue notre petit tour. Ouais, j'ai pas vu de... Après, là, il y a moins d'arbres en plus. J'ai pas vu de... Je vais y arriver. De cavité. J'ai pas vu d'autres ruines pour l'instant. Mais bon, on a trouvé des petites choses. Malgré tout, c'est toujours du granit ici. Ouais. Oh. Hello. Oh. Oh. C'est bien en ruine, hein. Oh, du cuivre natif là-dedans. Des chaînes, il y a du bois de chauffage. Il y a plusieurs jarres. Ah, il a... ah, magnétite aussi. C'est une caisse avec plusieurs... Ok. Il y a plusieurs minerais dedans. Ça, c'est étonnant, par contre. Ça, ouais, je vais laisser. Hein. Ah, c'est la vieille caisse, je peux pas... Si, je peux mettre dedans. Ça, je vais pas prendre. Minerai, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Mais voilà, c'est bien. Minerai. Ok, du quartz. Ok. Magnétite. Magnétite. Sphalérite. Eh ben c'est pas mal. Oui, sphalérite, hein, ouais, je pense que je vais prendre. Oh, mais il y a des choses là, non? Il y a des choses. 4 tons. Baril métallique. Toile d'araignée. Oh. Oh. Alors, lanterne, ça se refuse pas. Clairement. Et deux haches en cuivre, quoi. Waouh. 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 Alors, la lanterne, c'est bien cool. C'est bien, bien cool. C'est sympa, hein. Très sympa, cette ruine. Encore du minerai ici, c'est quoi? Bon, il va falloir faire du rangement. Ok, cassitérite. On peut faire de l'étain. Et encore du quartz. Bon. Bon, bah, je crois que j'ai ouais, j'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre. Hein. On va essayer de faire un tri, encore une fois. Ouais, le livre d'histoire, hein. On va, je pense qu'il va rester là. Alors, j'ai les pépites, ça je peux rassembler. Ça non. Ça oui. Ouais, l'enclume, oui. On va la poser aussi. L'enclume, on va la poser. Allez, voilà, ça peut faire stylé, mais bon. Ça va, c'est vraiment que esthétique. Et j'ai quand même un petit peu de place qui me reste. Pas si mal.
En tout cas, très beau lac. Très beau lac. On va continuer à faire le tour par là. Waouh. C'est pas très joli ici par contre, hein. C'est un peu carré quand même. C'est pas joli du tout. La génération a eu un petit souci ici, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a là? Que je mange un peu quand même. Oh, de l'épeautre. Allez, faut qu'on rentre, hein. Après, hein. Il faut vraiment qu'on avance. Je creuserai bien là partout, mais... Ah, le sol osseux. Non, j'ai plus... Oh, quoique j'ai trop de pierres, hein, sur moi. Largement. Allez, on peut prendre du sol osseux. Juste creuser un petit peu et de toute façon ma pioche va casser. Alors, juste un petit peu là. Ouais, non, a priori. Hein. On va regarder les autres rapidement. C'est bien, ça fait vraiment très 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 ancien village là. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Regarde ce qu'il y a dessous quand même. De toute façon ma pioche va casser donc ça sera réglé. Par contre ouais je voudrais pas... Non, j'aurais pas trop la casser parce que j'aurais du cuivre à récupérer encore. Hein. Ouais non je vais arrêter, je creuse plus, je creuse plus, je creuse plus. Rangeons ça et ça. Il faut que je rentre parce que je sais pas pourquoi, mais je sens la tempête temporelle qui va pas tarder. On regarde un peu ici. Bon, allez, on y va. On y va, on y va. Oh, une carcasse là-bas. Deux carcasses. Bon, on va laisser tranquille, hein. Carcasse de chien. Je veux pas de. Je veux pas les os hein, de toute façon. On va regarder. C'est pas trop. Ça doit pas être trop profond, mais bon. Ah ça va, il y a de la terre dessous. Allez, ça y est, c'est cassé. Et ben voilà. Allez, ouais, je préfère. Me concentrer sur le cuivre. Là, tout de suite, c'est vraiment le plus important. J'essaie de récupérer le maximum avec ma pioche. Voilà, si je peux passer aux lances en cuivre, etc. Et à la scie, hein. Enfin voilà, il faut vraiment que je ramène un peu. Là, c'est ce qui compte tout de suite.